Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau quintet direction l'hippodrome des Princes de Condé avec les 3 ans à Chantilly. Comme d'habitude, les résultats de la veille dans le quintet plus, pas la gagnante, on est 2, 3, 4, 5, dommage, quintet dans le désordre à une centaine d'euros pour 2 euros. Concernant les membres, on fait un 2 sur 3 dans le JDT, le jeu bonus qui passe, le course par course plutôt correct dans des réunions aussi complexes. Par contre, au niveau des jeux simples, on en touche 6 en 9 courses, dont 4 gagnants. De ce côté-là, c'est pas mal. Le pick 5 encore qui passe, qui a fait plus cher sur le réseau d'internet que sur le réseau Endur. Les conditions du prix Louis XIV, le prix Le Roi Soleil, 1200 mètres ligne droite, un terrain bon annoncé par France Gallo, 3,2, 16 partants, je me répète, dès 3 ans. Question de la corde, j'y prête pas trop attention sur ce genre de tracé, c'est tout droit, feu. On lance tout de suite la sélection. Mon gagnant, je continue le numéro 1, Cours du Roi, détecté le 23 mars en sous-marin sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Je l'ai pris base gagnante lors de son premier quintet plus, il a ridiculisé le position à 5 ou 6 euros. Derrière, il fait bon deuxième pour son deuxième quintet battu à 20-30 mètres du poteau. Il m'a prouvé qu'il pouvait regagner un deuxième quintet, c'est ce que je pensais. Il a couru une seule fois en ligne droite, troisième en débutant. C'est un cheval vite sur jambes qui va de l'avant. S'il respire bien, il peut s'imposer pour une deuxième fois dans les événements. La deuxième base pour moi, l'opposition, le numéro 3 à Montussan. Il a les meilleurs titres. Placé de groupe 3, placé de listed, 4 sur 5 sur la piste de Chantilly, a déjà réussi en ligne droite, premier handicap, premier quintet plus, le tandem Chevigny, Christophe Soumillon, la corde est bonne entre guillemets si on peut trouver encore des bons points positifs, il a largement de quoi finir dans les 3 premiers. Premier outsider, le numéro 10, Régalien. Alors il est deuxième et quatrième de Cours du Roi, je le pense quand même inférieur par rapport au cheval de Maxime Guyon. Il m'a un peu déçu le 9 juin, je m'attendais mieux à une quatrième place avec ce qu'il a prouvé. Malgré sa corde numéro 16, il peut jouer encore la place dans le multi sans problème. Deuxième outsider, le numéro 8, Idar. Il passe de 32,5 à 37 de valeur en deux courses, 2 sur 2 en ligne droite à Fontainebleau et à Deauville. On tente l'aventure des quintets parisiens, le cheval est au mieux de sa forme, ça peut être une belle découverte. En cinquième position, le numéro 11, Il Sogno. Alors il a passé avec succès le test du gazon, lui qu'on a vu sur le sable au début de sa carrière, 4e et 5e des quintets plus de référence. Première fois en ligne droite, corde 7 et Mangione, il sera au milieu du peloton, il peut jouer encore les mêmes places. En 6ème position, le numéro 4, Sassy Rascal, une belle ligne avec Montussan le 6 mai, finissant pas loin, il fait ensuite 6ème de Quintet Plus le 9 juin, c'est un candidat aux places. 7ème position, le numéro 9, Jovial Béret. C'est la note le 12 mai dans le quintet plus de Cours du Roi. Je pense que plus heureuse, la jument aurait au moins fini dans le quintet. 3 sur 3 sur la piste de Chantilly, gazon et sable. Débute en ligne droite, on revient avec des ambitions, j'y crois. Et je termine avec le numéro 13, Sassica. Ça va être une découverte vraiment pour être 5ème dans ce genre de course. Le 21 mai, au Croisé-la-Roche, j'ai regardé sa course sur le même parcours par rapport à Cours du Roi, le cheval est allé plus vite sur le chronomètre. Maintenant, Cours du Roi, quand il s'était imposé au Croisé-la-Roche, il s'était imposé en marche arrière. Mais sur le chrono, ça peut être pas mal dans cette course-là, vu que c'est très ouvert. Je l'ai gardé en 8ème position, ça me plaît. Voilà, merci d'avoir suivi ce quintet-là. Nous, on se dit à demain pour le prix de l'Opéra sur l'hippodrome d'Enghien. On retrouvera les trotteurs. Passez encore une belle semaine et merci à tous. Ciao !